Bon Dieu béni, non. Bon Dieu béni, non. Ma terre. Non, ben bon Dieu, gloire, louange, qui permettent que nous capables d'aborder une nouvelle semaine de prière. Je veux dire, c'est lundi, donc nous contents pour nous capables d'entamer une nouvelle semaine ça dans la prière. Moi saluer au encore te gagne un week-end béni en présence, mon Dieu. Et ses amis, mon frère ou adorateur Bertin d'Orvidemar. Et semaine ça encore, nous voulons continuer à prier pour la famille. C'est ça, bon Dieu, continuer, demandez-nous pour nous faire, continuer à prier pour la famille. Parole, bon Dieu, c'est dans Matthieu chapitre 19, versets 5 et 6. Matthieu chapitre 19, versets 5 et 6. Et il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Maintenant, nous voulons prier contre tout esprit de divorce. Nous voulons prier en ce matin contre tout esprit de divorce. Taux de divorce là, l'a augmenté de jour en jour. Il y a des divorces qui sont prononcés. Il y a des divorces qui ne sont pas prononcés. C'est des divorces silencieux que vous avez. Divorce la prononcé, le monde a suivi un processus légal. Côté que vous avez des papiers aussi qui font connaître que vous avez divorcé. Mais il y a des monde malgré à vivre dans le cas, mais vous avez divorcé déjà. Mathieu d'Avlé, nous prier pour la famille et nous prier contre tout esprit de divorce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À nous faire prier ça ensemble. Seigneur, Mathieu, nous venons devant ton nom. Nous te remercions. Père, nous croyons qu'il y a une raison qui fait que ça fait 3 semaines qu'on a motivé que nous pouvons prier pour la famille. Seigneur, nous connaissons tout un combat. Parce que c'est dans le plan pour la famille bien fonctionner. C'est dans le plan pour la famille être unie. Ça que Edmien opposé à lui-même, Seigneur. Maintenant, par autorité que Obanon nous prend, autorité contre tout esprit de divorce qui a rongé la famille. Tout esprit de divorce qui a rongé la famille. Seigneur, nous prenons autorité sur le matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Divorce qui sous route pour prononcer, divorce qui fait dans Kaila de manière silencieuse. Côté mari avec madame, dans Kaila, c'est vrai, société connaît que qu'ils vivent ensemble, mais eux-mêmes, ils connaissent le divorce déjà. Seigneur, nous prenons autorité. Contre tout esprit divorce dans la famille. Tout esprit qui voulait mettre Marie avec madame dos à dos. Matin, Seigneur, nous camper pour nous dire grâce. Nous camper pour nous demander grâce, matin, Seigneur. Oh, ça y est, qui te gagne de divorce silencieux, t'as demandé de t'en prie, faire encore réconciliation. Ça y est, qui te gagne un signe de papier, Seigneur, ou bien capacité. Pour capable faire mon ça retourner ensemble, que la vie capable continuer, pour que l'amour capable continuer bougeonner. Seigneur, trop monde divorcé, ça a trop impact sur l'église, ça a trop impact sur société, ça a trop impact sur le monde en général. Seigneur,
nan mande ou fè gras matin a fami yo. Fè gras, gen koup ki sou wout la, ka planifye divorce. Gen de dialogue ka fèt, ki oriente ver le divorce. Se yon ap mande ou stoppe sa pou nou, au nom de Jésus. Stoppe sa pou nou, papa. Stoppe sa pou nou, papa. Dans le nom puissant de Jésus. Et toute la gloire, toute la louange est à toi. Et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Dieu couvre-nous. Que bon Dieu permette nous passer une très bonne semaine ensemble dans la prière. C'est pour bon Dieu bénis-nous. C'est pour bon Dieu couvre-nous avec grâce. C'était Maestro Bertin d'Orville-Mort. Passons très bon lundi. En bas grâce Seigneur.